Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le tableur calque de la suite bureautique LibreOffice, donc, qui est une suite gratuite, libre et gratuite. Donc vous avez accès au code et vous pouvez télécharger et utiliser librement cette application, les applications donc, de cette suite bureautique. Alors, pour la télécharger, il suffit d'aller sur Télécharger ici, Télécharger LibreOffice. Alors, je vous conseille de prendre la version 7.4.0, bien que si vous choisissez celle-ci, 7.3.6, qui est plus stable, ça ne posera pas de problème, puisque au niveau de l'interface, par rapport à ce qu'on va utiliser, rien n'est changé. Donc, voilà, vous cliquez sur télécharger, puis vous installez le logiciel, il n'y a aucun souci, aucune difficulté par rapport à ça. J'ai déjà téléchargé le logiciel et j'ai lancé l'application Calc, le tableur de LibreOffice, donc, et j'ai déjà rempli quelques cellules de ce tableur, donc des nombres ici qui sont, vous voyez, justifiés à droite et du texte qui lui est justifié à gauche. Alors chaque ligne ici correspond à une équipe de football qui, lors d'un championnat, a gagné, par exemple cette équipe-là a gagné 11 matchs du championnat et a marqué 33 buts. Si je prends l'équipe ici, de cette ligne ici, elle a gagné 19 matchs. Cette équipe a gagné 19 matchs dans le même championnat et elle a marqué 64 buts. Notre objectif, donc, ça va être d'étudier la relation entre le nombre de matchs gagnés et le nombre de buts marqués. Donc de faire des statistiques de variables. Alors pour cela, on a aussi derrière l'idée de vous apprendre à utiliser un tableur. Donc certains d'entre vous peut-être n'ont pas encore vraiment pratiqué. Utiliser un tableur, donc je vais commencer par exemple vouloir faire quelque chose de très simple, c'est numéroter les équipes. Alors je sélectionne une case et puis je rentre le nombre 1 pour la première équipe. Alors je pourrais continuer, mettre 2 pour la deuxième, 3 pour la troisième. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt utiliser, voir comment on peut créer des formules dans un tableur et donc plutôt que de mettre la valeur 2. Hein, imaginez que j'ai 50 équipes, hein, j'ai pas envie de rentrer pour chacune des cases le numéro de l'équipe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nombre ici qui est, c'est une suite de nombres. Hein, le nombre que je veux dans cette case ici, cette cellule, c'est le nombre précédent, donc le nombre dans la cellule A3, augmenté de 1. Donc à chaque fois, quand je passe d'une équipe à l'autre, je vais augmenter de 1 son numéro. Alors, vous me direz, je pourrais faire ici la même chose, écrire égal, la colonne, la ligne, enfin la case de dessus, plus 1. Et si je fais ça à chaque fois, ça va me prendre encore autant de temps, voire plus, que de rentrer directement le numéro de l'équipe. L'intérêt de fonctionner en formule, et vous voyez, les formules apparaissent également hein, dans la barre des formules ici, la ligne de saisie. Je peux saisir les formules dans cette ligne ici également. En fait, plutôt que de rentrer donc cette formule pour chacune ou le nombre pour chacune des cases, je vais pouvoir propager la formule, voyez. Si je prends, vous voyez le petit carré ici, je vais faire un clic gauche, rester donc appuyé, et puis je peux descendre comme ça, relâcher, et là vous voyez que les formules ont été écrites automatiquement, et à chaque fois qu'on passe à la cellule de dessous, eh bien LibreOffice, le tableur incrémente le numéro de ligne. Hein. Donc là, pour la ligne 9, donc pour la cellule A9, A9 c'est quoi? C'est A8, la cellule précédente, plus 1. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc voilà, un exemple de fonctionnement du tableur. Ça permet comme ça de remplir automatiquement des cases à partir d'une formule qui peut se répéter donc d'une case à l'autre en incrémentant les différents indices qui définissent la position de la cellule. Donc c'est très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir calculer la moyenne des matchs gagnés. Donc pour cela, je vais créer dans cette case-là. Alors j'ai deux façons de faire. Vous avez ici un menu déroulant où vous pouvez choisir différentes fonctions que je vais pouvoir utiliser pour construire mes formules. Donc là, ça va être la fonction somme. Et somme, vous voyez, entre parenthèses, je dois rentrer les différentes cellules pour lesquelles je vais obtenir la somme. Mais vous pouvez aussi tout simplement cliquez, faire un clic gauche sur la première cellule, restez appuyé avec votre clic gauche et puis sélectionnez toutes les cellules qui sont là, relâchez. Et vous avez en fait ici la formule hein, qui permet de dire voilà, je veux faire la somme de toutes les cellules comprises entre la case B3
depuis la cellule B3 à la cellule B12. Vous faites entrée et vous avez votre somme qui est obtenue ici. Cette somme, ben, je vais la diviser par le nombre, diviser par le nombre d'équipes, 10, et vous obtenez la moyenne. Voilà, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, ben, je peux directement faire égal et dans le menu déroulant ici, choisir moyenne. Je fais directement la moyenne ici, hein, pas besoin de m'y prendre à deux fois, et vous avez donc la moyenne des buts marqués. Donc en moyenne, ces 10 équipes qui ont été choisies là pour faire une étude statistique sur eux, ben, sur elles. Donc ces 10 équipes en moyenne, chaque équipe a marqué 47,8 buts. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, dans ce tableau, on peut créer facilement des graphiques. Hein, donc, je vais dessiner dans un premier temps le nuage de points défini par ces deux séries de données. Alors, je vais ici choisir insérer un diagramme. Voilà. Alors, le diagramme, c'est un diagramme de dispersion. Je veux un nuage de points. Alors, je fais terminer ici. Alors, vous voyez, LibreOffice m'a automatiquement dessiné les deux séries mes deux séries. Représente, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux, puisqu'il les a mises de façon, de façon séparée. Hein. Et donc, ici, j'ai la série des matchs gagnés. OK, donc avec ici les numéros le numéro d'équipe, il y a 10 équipes, donc 10 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et associer le nombre de buts marqués pour cette équipe. Alors nous, un nuage de points, on va vouloir placer en abscisse les matchs gagnés et en ordonnée les buts marqués. Donc on va changer le type de diagramme. Donc c'est XY, donc ça reste bon, hein. Ce qu'on va changer, c'est pas tant le type de diagramme, mais ça va être les données. Donc je vais aller ici dans page de données, puis série de données ici. Je vais supprimer les deux séries que LibreOffice m'avait automatiquement données. Et je vais ajouter une série. Le nom de cette série, je vais lui donner comme nom but marqué. Et en X, je vais afficher, donc en X, je choisis d'afficher donc un plage pour les valeurs de X. Je clique sur ce bouton ici qui va me permettre de sélectionner les valeurs que je veux en abscisse, c'est-à-dire les matchs gagnés. Et ensuite, je vais sélectionner valeurs de Y. Et donc en Y, je veux afficher les buts marqués. Et donc chaque équipe va fournir un point de mon graphique, un point du graphique avec en abscisse le nombre de matchs gagnés et en ordonnée Y le nombre de buts marqués par cette équipe. Donc je me retrouve bien avec 10 points et là j'ai ce qu'on appelle un nuage de points. Donc vous voyez ici la numérotation en abscisse. Ben, on peut d'ailleurs mettre des titres dans notre diagramme, insérer des titres et vous pouvez donc dire que sur l'axe des X, vous avez les matchs gagné, tandis que sur l'axe des Y, vous avez les buts marqués. Donc c'est ça ce qu'on appelle le nuage de points associé donc à cette série statistique de variables. Donc je peux mettre en titre stat de variables à deux variables. Voilà, par exemple, je fais OK ici, voilà. Donc mon graphique avec le titre et puis des informations sur ce que j'ai représenté sur chaque axe. Je peux également, vous voyez, là, les points qui sont en fait des carrés sont un peu grands. Je fais un clic droit pour avoir le menu contextuel. Et je peux également faire formater les séries de données et choisir ici, donc, propriété ici, et l'icône, en fait, donc l'objet utilisé pour afficher les points, ça va être toujours un carré, mais je vais le choisir avec un côté un peu plus petit de 0,05 cm. Je fais OK et vous voyez donc apparaître des points beaucoup plus petits, hein, donc 10 points, puisque je m'intéresse à 10 équipes. Et donc, par exemple, vous voyez que pour 11 matchs gagnés, eh bien, j'ai 3 équipes qui ont gagné 11 matchs et une a marqué un certain nombre. Alors, vous voyez également, hein, que l'axe des Y ici, il n'est pas forcément bien adapté à mes données. Je peux aller sur l'axe des Y ici. Donc, vous voyez s'afficher l'axe des Y. Clic droit.
et formater l'axe. Donc là, j'ai un menu contextuel qui apparaît. Je peux par exemple, au niveau de l'échelle, fixer moi-même le minimum des Y que je veux afficher. Et donc par exemple, afficher 30, puisque vous voyez que les buts marqués, ça va de 36 à 58. Donc je peux afficher 30. De même, le max, je peux mettre 60. Je peux mettre 60. Ouais, je peux laisser 70. On peut laisser à 70. Voilà, donc je peux faire OK. Et vous avez donc. Alors je peux aussi mettre un. Je dois certainement pouvoir aussi. Donc toujours en cliquant sur axe peut-être. Donc sur l'axe ici. Pouvoir choisir une grille secondaire. Voilà, pour avoir plus de précision sur mon. Sur la position de mes points. Et de même ici. Insérer une grille secondaire, voilà. Voilà. Donc, mon nuage de points qui est ici affiché. Alors, je peux. On peut lui demander également, alors là, ça c'est aussi lui demander d'insérer. Alors, vous voyez, vous avez ce nuage de points, et ce qu'on va faire en stade de variable, on va essayer de trouver ici, nous, la droite qui se rapproche le plus de ces points. Alors. LibreOffice permet de calculer cette droite également, donc le tableur de LibreOffice. Vous choisissez un point, faites clic droit, et vous demandez insérer une courbe de tendance. Voilà, donc vous avez le choix entre le type de tendance, hein, ça peut être linéaire, donc une droite, logarithmique, donc la forme d'une fonction d'un graphe logarithme, une fonction logarithme, exponentielle, puissance, ou donc faire une régression polynomiale, un type de régression, donc. Essayez de trouver le polynôme qui approche le plus les points de votre nuage de points. Donc nous, on va rester sur du linéaire, mais on va lui demander d'afficher l'équation. On fait OK. Et voilà, vous avez l'équation. Et en fait, tout l'objectif de cette vidéo, hein, une grande partie de cet objectif de la vidéo, ça va être de retrouver cette équation en utilisant directement les données, le tableur. Donc là, évidemment, le tableur vous la donne directement. Alors on peut la formater, cette équation. Pour réduire en fait le nombre de chiffres significatifs, le nombre de décimales pour chaque nombre. On peut par exemple en mettre 3. Voilà, 1. Voilà, 3 ici. OK, donc vous voyez ici on arrive à une équation de droite qui est un peu plus lisible, avec la pente qui vaut 3,436 et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 2,09. C'est-à-dire que si on prolonge cette droite jusqu'à couper l'axe des Y sera coupé à la valeur moins 2,029. C'est la valeur de Y quand X vaut 0, hein, tout simplement. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de retrouver l'équation de cette droite. Alors, je vais déplacer le graphique. Alors, il faut le sélectionner. Et puis, alors, il faut se mettre, voilà, sur la bordure, hein, du graphique. Et puis, là, vous pouvez le déplacer. Voilà, on ne va plus parler du nuage de points. On va revenir sur les données ici. Et on va essayer de retrouver donc l'équation de la droite que l'on vient d'afficher en dessous, hein, la droite des moindres carrés, qui permet donc d'approcher au mieux mon nuage de points. Alors, pour cela, il va falloir d'abord calculer les variables centrées qu'on appelle grand XI, hein, ne pas confondre avec petit XI, grand XI et grand YI. Alors, le grand XI, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au petit XI moins la moyenne. Donc, les variables centrées, c'est-à-dire qu'on prend la variable XI et on lui enlève sa moyenne. Et on fait ça pour chacune des équipes, évidemment. Et donc, là, je propage simplement la formule, vous voyez. Et par exemple, ici, je retrouve bien la bonne formule B6. Mais attention, alors là, il va falloir faire. Là, évidemment, ce que j'ai écrit là, ce qui est là est faux. Pourquoi? Parce que en réalité, ici, il va falloir, donc si je double-clique, je retrouve la formule, hein, il va falloir fixer B et 14, puisque ma moyenne est en B et 14, et donc quand je propage ma formule, il faut pas que le B et le 14 changent. Donc pour qu'il ne change pas, je mets un dollar devant pour les bloquer. Je bloque le B, donc la colonne, et je bloque le 14, c'est-à-dire le numéro de ligne, donc de la cellule, hein, qui contient la moyenne B14. Je fais entrer. Et maintenant, si je reprends
Donc ma formule ici, enfin la case qui est là, je propage à nouveau la formule qui est à l'intérieur, et bien là on verra bien qu'à chaque fois on a B14 qui reste, voyez. Et donc pour chacune des lignes, ben, attention, faut faire attention de ne pas modifier, voilà, pour chacune des lignes, j'ai bien la formule attendue. Donc échappe hein, pour sortir hein, de. Donc double clic, vous retrouvez la formule, échappe, vous retrouvez la valeur calculée à l'aide de cette formule par le tableur. D'accord? Et vous pouvez aussi, évidemment, à chaque fois que vous sélectionnez donc une case, vous retrouvez ici la formule, vous pouvez directement, évidemment, écrire à partir de la ligne de saisie et puis faire entrer quand vous avez terminé votre formule. Alors bah pareil pour YI, hein. YI égale, ça va être YI moins bah, la moyenne ici, et j'oublie pas de mettre les dollars, sinon évidemment ça ne va pas fonctionner. Pour bloquer donc le C14, je propage et j'obtiens immédiatement mes variables centrées. Alors, pour calculer la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite des mondes carrés, on va avoir besoin de calculer les xi au carré. Donc on va calculer les xi au carré. C'est égal xi au carré. Donc c'est pas très compliqué. Une fois que vous l'avez fait pour 1, là j'ai pas besoin de mettre des dollars puisque c'est juste les xi que je. Alors, ouais, c'est bien ça. Ensuite, bah, je vais calculer aussi les y, i au carré. Donc, égale y, i, un accent circonflexe, 2 pour mettre au carré. Et je propage également cette formule-là pour calculer les carrés de tous les y, i. Voilà qui est fait. J'aurai aussi besoin du produit des variables centrées x, i, y, i. Donc, x, i multiplié par grand Y i, ben, c'est pas compliqué, je fais égal xi fois y i, entrée. Et là encore, ben, je propage cette formule-là aux autres cellules. À chaque fois, donc le tableur va modifier le numéro de ligne pour adapter la formule comme il le faut. Voilà qui est fait. Alors maintenant, pour calculer la pente de la droite des moindres carrés, il faut que je calcule la somme des xi carrés. Alors ben, je vais faire égal. Alors, on peut écrire plutôt, soit vous allez ici choisir dans le menu déroulant somme, et puis après vous sélectionnez les éléments dont vous voulez faire la somme. Vous faites entrée et vous avez donc la somme des xi carrés. J'ai aussi besoin de faire la somme des xi fois yi. Je peux aussi donc me placer donc dans la case dans laquelle je vais calculer cette somme et écrire directement grand M, commencer à écrire somme. Et vous voyez, la première fonction proposée par le tableur, c'est somme ici. Donc vous n'avez qu'à faire return. Et puis après, vous sélectionnez la somme. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois sur le menu déroulant pour écrire complètement le nom de la fonction. Alors, un autre petit truc qui peut être intéressant aussi, vous voyez là, si vous allez sur les titres des colonnes, quand vous déplacez votre curseur, vous voyez que le curseur de la souris, à un moment donné, quand vous passez entre deux colonnes, il change de forme, ça devient voilà, ce symbole-là, une flèche qui va dans les deux sens. Si vous double-cliquez, il va automatiquement vous mettre les colonnes à la taille optimale, qui permet donc d'afficher les données dans les qui sont contenues dans les colonnes en utilisant le moins d'espace possible, hein, donc juste l'espace nécessaire. Donc ça peut être pratique pour gagner un peu de place. Alors là, le 484, vous voyez, est un peu. Donc du coup, là, bah, vous pouvez toujours le régler à la main. Hein. Voilà. Et puis, ici, pareil. Voilà qui est fait. Et alors, pour trouver la pente de la droite de régression, bah, c'est pas compliqué. Alors, la pente, on va l'appeler petit a. Alors c'est égal à la somme des xi, yi divisé par la somme des xi carré. 3, 43, 65. Si je reviens sur la formule ici, j'ai bien 3, 43, 3, 43, 6. Alors le 5, c'est un peu moins précis. Alors, attendez, je vais juste élargir un petit peu.
Donc on est bien d'accord que après c'est un 4. Et donc quand j'arrondis, on a bien un 6 ici. D'accord? Hein, donc le 4, voilà. Donc il n'y a pas de, c'est vraiment donc la bonne valeur. Et alors pour trouver l'ordonnée à l'origine, bah, il faut utiliser un autre point de la droite des moindres carrés. Et en fait, il se trouve que on sait que le point moyen, 14,5 en abscisse et 47,8 en ordonnée, bah, appartient à cette droite. Donc on peut très facilement trouver l'ordonnée à l'origine. Ça va être le y, donc le point qu'on connaît, le y du point qu'on connaît, moins la pente fois le x du point qu'on connaît. Et là, on obtient l'ordonnée à l'origine. On peut vérifier que on a bien moins 2,028. Voilà, donc ça fonctionne. D'accord? Voilà, très bien. Donc on peut s'amuser à calculer les valeurs estimées, donc, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? La droite des moindres carrés nous permet d'estimer, en quelque sorte, les valeurs des buts, les valeurs de, le nombre de buts marqués, connaissant le nombre de matchs gagnés par l'équipe. On peut faire une estimation. Par exemple, si le nombre de matchs gagnés est 13, ben, je remplace x par 13, et j'aurai une estimation du nombre de buts marqués par l'équipe. Alors, on peut calculer ces estimations. Évidemment, ce sont des points qui vont se retrouver sur la droite, hein, qui est dessinée ici, hein. Donc, alors, on peut calculer leur valeur. Donc, on va appeler grand Y estimé. On va l'écrire en entier, comme ça. Alors, les Y estimés, donc ça va être égal à la pente de la droite, fois le XI, qui est ici, plus l'ordonnée à l'origine qui est là. Alors évidemment, il faut que je bloque donc B3. Attendez, non, c'est F15, hein, la pente c'est F15. Il faut que je bloque la pente F15, puisque le petit a est toujours à cet endroit-là. Et il faut que je bloque l'ordonnée à l'origine avec un dollar à chaque fois, hein, pour éviter, quand je vais propager cette formule, de modifier la valeur F15 et la valeur F16, qui sont donc les caractéristiques de ma droite des moindres carrés. Voilà, donc l'estimation ici est à 35,77, et donc j'avais eu pour 11, 36, 33 et 41. Vous voyez, donc ça donne, voilà, une estimation qui vaut ça. Alors je peux propager évidemment ces valeurs ici, et voilà, j'ai toutes les valeurs estimées. Alors, la droite de régression, sa propriété, c'est qu'elle a minimisé le carré des écarts entre la valeur estimée et la valeur obtenue. Donc si je calcule les écarts, ben, c'est quoi les écarts? Les écarts, c'est y estimé moins la valeur attendue. La valeur attendue, c'est yi, évidemment. Hein, donc je compare le 35,77 au 36 qui est là. Et je vais faire ça pour toutes les équipes. Donc je vais propager cette formule-là. Voilà. Je vais les mettre au carré. Écart au carré, parce que là vous avez des écarts qui peuvent être positifs ou négatifs, hein, donc je les mets au carré. Alors égal, et la case de gauche au carré, je propage ça, j'en fais la somme, égale somme de tout ça, et ça c'est le, donc ce que j'obtiens ici, ce nombre là c'est le nombre qui a été minimisé, hein, par la méthode mathématique qui permet de trouver l'équation de la droite de régression, hein. Donc cette droite ici, elle permet vraiment d'obtenir un nombre minimum ici, donc minimiser le carré la somme minimiser pardon la somme des carrés des écarts entre la valeur estimée et la valeur obtenue sur la série de données. La valeur obtenue qui est ici. Alors, on a une autre façon de calculer une droite qui s'approche de ce nuage de points, c'est la droite de Mayer. Alors, pour la droite de Mayer, qu'est-ce qu'on va devoir calculer? On va devoir obtenir deux points moyens G1 et G2, parce qu'on va découper notre série de données en deux parties. Donc, il faut faire attention pour la droite de Mayer que les x, hein, que la série, que les valeurs de la série soient bien ordonnées suivant les x croissants, hein, parce qu'on va découper en deux séries, une série avec les plus petites valeurs de xi,
et une série avec les plus grandes valeurs de XI. Et on va calculer le X moyen donc sur les 5 premières valeurs, puisqu'on a 10 valeurs en tout. Donc la moyenne des 5 premières valeurs dx ici, ça va me donner donc l'abscisse du point G1. La moyenne des 5 premières valeurs en yi, ça va me donner la valeur de y pour le premier point G1. Donc G1 a pour abscisse 11,8 et pour y pour ordonnée 37,4. Je fais pareil avec G2 pour le deuxième point. Donc là, je vais calculer la moyenne des points 6, 7, 8, 9, 10, les 5 derniers de mon nuage de points. Et là, pareil, je calcule la moyenne des 5 dernières valeurs ici. Et donc là, alors, attendez, je me suis trompé, égale moyenne, return, voilà. Voilà, j'ai mes deux points. Et donc maintenant, la droite de Mayer, bah, c'est trouver la droite définie par ces deux points. Alors, bah, sa pente, petit a, ça va être delta y sur delta x. Hein, donc, petit a, on va l'écrire ici. Et la formule à côté, égale, entre parenthèses, le y de g2 moins le y de g1, divisé par le x de g2 moins le x de g1, je ferme la parenthèse et j'ai la pente ici, vous voyez 3,85 au lieu de 3,43. Donc la droite de Mayer a une pente plus grande. Et l'ordonnée à l'origine, ben, l'ordonnée à l'origine, je connais trois points de la droite de Mayer. G1 appartient à la droite de Mayer, G2 appartient à la droite de Mayer, mais le point moyen aussi, 14,5 et 47,8, appartient aussi à la droite de Mayer. Donc je peux calculer l'ordonnée à l'origine à l'aide de n'importe lequel de ces trois points. On va le faire valer 3. Donc c'est assez rapide avec un tableur. Donc prenons G2, c'est 58,2 moins petit a fois l'abscisse de G2, j'obtiens moins 8,05. Si je le fais avec G1, y de G1 moins mon petit a ici, fois l'abscisse de G1, ben j'obtiens la même valeur. Et si je le fais avec le point moyen, donc y du point moyen, moins petit a la pente de la droite de Mayer fois l'abscisse du point moyen, j'obtiens aussi moins 8,05, ce qui montre, hein, enfin, en tout cas on vérifie, hein, on vérifie bien ici que le point moyen appartient aussi à la droite de Mayer. Et donc bah, je peux calculer les y estimés par Mayer, hein, pour voir un petit peu la différence. Donc y estimé par Mayer, ça va être quoi? Bien, je prends le xi toujours, je le multiplie par la pente de droite de Mayer, plus l'ordonnée à l'origine de la pente de Mayer, je fais entrée, et j'ai donc la première valeur ici. Alors je reprends ma formule, mais je vais bloquer évidemment le i15, qui est donc la pente de la droite de Mayer, et le i16, qui me donne, qui est le numéro de la cellule, les coordonnées de la cellule qui me donne l'ordonnée à l'origine de la droite de Mayer. Je fais entrée, je propage, et donc là, je vais avoir toutes les valeurs estimées par Mayer. Alors évidemment, je peux calculer les écarts de Mayer cette fois. Alors les écarts, ben, ça va être égal à y estimé de Mayer moins le y que j'ai obtenu ici. Donc je fais... Je calcule les écarts pour tous les points. Voilà, je les mets au carré. Je les mets au carré. Donc c'est égal à fois donc exposant 2. J'ai entré. Je calcule donc ici tous les carrés. Je fais la somme des carrés et je dois obtenir un nombre qui est plus petit que 194. Donc on va essayer, on va vérifier que c'est bien le cas. Somme de tous ces nombres, ça doit être plus grand, pardon, hein, plus grand que 194, puisque la droite de Mayer, voilà, voilà, on obtient en fait, si on fait la somme des carrés des écarts obtenus avec en estimant donc les données à l'aide de la droite de Mayer, on obtient donc une valeur plus grande, ce qui montre bien que la droite des moindres carrés, on verra comment on trouve
comment on fait pour justifier, hein, le calcul qu'on a fait là pour trouver cette droite de régression, la droite d'aimant de carré, ben on obtient une somme d'écart au carré qui est la plus petite possible. Donc on peut s'amuser à tracer, hein, à tracer la droite de Mayer ici. Donc on va la tracer en utilisant les points, ben les y estimés ici, hein, donc ce sont des points de droite de Mayer. Donc on va ajouter ici une série. Donc on va ajouter, on va retourner dans plage de données ici. On va ajouter donc une série de données. Donc cette série de données, on ne va pas lui donner de nom. On pourrait l'appeler Mayer, mais Mayer. Voilà. En valeur de x, eh bien, on va chercher évidemment bah, les petites x qui sont là. Hein. Voilà, ce sont les différentes abscisses des points. Et en y, valeur de y, on va chercher les valeurs estimées pour ces différentes valeurs de xi. Et les valeurs estimées par Mayer, elles sont ici. Voilà. On fait OK. On descend. Et on a en rouge donc les points estimés par la droite de Mayer. Sachant que les points estimés par la droite de régression, bien évidemment, c'est les points qui sont directement sur la droite, hein. Donc on pourrait les afficher aussi d'ailleurs, hein, mais pour les afficher, bah, il suffirait de faire la même chose, mais avec les y estimés ici. Hein. Tous ces points-là, si vous prenez les x qui sont là et les y estimés qui sont là, bah, ce sont des points qui sont sur la droite des moindres carrés. D'accord? On va pas le faire, hein. Vous pouvez le faire si vous voulez. Voilà, donc eh bien, je crois que voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Eh bien, je vous remercie de votre attention.